Et salut à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Gaming06. Donc les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu The Crew 2. Les amis, dans cette vidéo, eh bien écoutez, on est parti pour découvrir ensemble toutes les nouveautés de la semaine. Comme vous voyez, il y a quand même des petits packs sympathiques qui font plaisir. Donc ok, on va découvrir ça ensemble, mais avant les gars, j'ai déjà le concours photo qui se passe sur Discord à vous montrer, mais encore avant, j'ai une grosse annonce à vous faire. Donc les amis, vendredi soir, on va se faire un petit live sur Twitch et tous ceux qui sont chauds pour nous rejoindre sur GTA, ben, n'hésitez pas à rejoindre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un crew sur le social Rockstar, là, je sais pas quoi. Donc les gars, vous aurez le lien dans la description. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 100 personnes, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, bien évidemment, ceux qui peuvent jouer, ceux qui ne peuvent pas jouer, ça sert à rien que vous veniez, on est d'accord, hein. Voilà. Et du coup, alors comme j'ai dit, ça sera un live vendredi soir. Ce qui va se passer, c'est que notre pote Azerty a fait un petit circuit ovale. Donc ça sera, on va faire ce circuit. Ça dure une demi-heure la course. On va le faire deux fois. Donc les gars, ça risque d'être vraiment, vraiment intéressant. Surtout à 30 personnes, les potes, je pense qu'il va y avoir du gros, gros carnage. Voilà. Donc deux fois cette course. Et après, je pense qu'on va faire une fois la course d'Alexis. C'était un sprint qui nous a fait le sprint le plus long du monde. Voilà, donc on se fera cette course aussi. Et tout ça, ça se passera sur Twitch. Voilà. Et ceux qui veulent plus d'infos ou quoi, n'hésitez pas à rejoindre sur Discord. Vous avez déjà toutes les infos sur Discord. D'ailleurs, j'en profite. Merci à Luzden et merci à Evil Anonymous pour les petites photos du concours. D'ailleurs, j'en profite, je rebondis. On va faire maintenant les résultats du concours photo qui se passe donc sur Discord. Donc le thème de la semaine, c'était Hypercar dans la forêt. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont participé parce que les photos sont juste magnifiques. Franchement, il y a du très très haut level. Un grand grand GG à tous les gars, à tous. Et après donc, du coup, les trois premiers. On a en premier, on a Yann, GG à toi pour ta magnifique photo. Franchement, elle est magnifique, j'adore. Voilà, grand grand GG à toi. Après, en deuxième, on a Flo, pareil, bien bien stylé. On a la petite Bugatti, la voiture noire les gars, voilà, la voiture noire, ça, déjà rien que ça, c'est du lourd. Après, en troisième position, on a AMG GTR avec la petite Ferrari, GG à toi aussi. Et comme j'ai dit, j'ai regardé les autres photos de tout le monde là, bon, il y a vraiment du très très lourd. Donc voilà, donc pour ça on est bon. Alors du coup, le thème de cette semaine sur le concours photo, ça sera une américaine au bord d'une falaise. Voilà, donc là ça promet d'être très 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 intéressant aussi. Voilà, donc pour ça on a fini tout ce qui était des annonces, tout ça. Donc maintenant les amis, on va aller découvrir un peu toutes les nouveautés de la semaine du jeu. Allez, go, on est parti, direction le QG. Bon les potos, nous voilà dans le QG. Et allez, on va récupérer déjà les récompenses du summit. On va regarder le summit de cette semaine. Alors ça m'a fait terminer 769e. Ok, bon super, de toute façon, tout ça, je possède tout. Alors allez, on valide. Boum, voilà, allez, super, c'est cool. On récupère tout ce bazar. Et de là, le summit de cette semaine. Alors, comme vous voyez, pour le summit de cette semaine, en platine, on a la petite Porsche Cayman GT4, la Wasp Edition. Donc ça, les amis, cette voiture, elle est magnifique. Elle est franchement bien, bien gérable. En plus, elle est bien stylée. Donc moi, je la possède déjà. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de monde quand même qui va farmer ce summit, un peu plus que d'habitude. Hein, parce que voilà, on a une voiture à gagner. Donc ça, c'est cool. Et en or, vous voyez, on a un petit pneu jaune. En argent, on a des pièces légendaires boostées en hypercar. Et du coup, en bronze, on a 200 000 followers. Bref. Voyons voir un peu toutes les épreuves. Oh là 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 là. C'est vrai, j'avais oublié tout ça. Donc on a de l'aérobatique, de la fuite. On a deux fuites, du rallycross, rally raid, rallycross, air race, rally raid. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment un summit qui est axé tout terrain. Donc là, ce soir, les gars, je pense qu'on va galérer. Enfin, je pense que je vais galérer. Donc d'ailleurs, les amis, je vous invite entre 21h et 21h30 à rejoindre YouTube. On fera bien évidemment notre petit live sur ce summit, comme d'habitude, les potos. Voilà, et prévoyez les popcorns, prévoyez de quoi boire, parce que là, je pense que ça va être très, très, très compliqué. Voilà, c'est vraiment pas les épreuves que je préfère, comme vous savez. Allez, on s'échappe de là. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a ça, ok. Bon, ok, une petite Chevrolet Camaro que je possède. Bon, ça marche. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, sympathique. Oh, le néon, il est stylé. Underglow tombé de la nuit épique. Franchement, pas mal. J'ai hâte de faire ce petit summit-là avec la GTR. J'ai hâte de voir un peu les épreuves qu'on va avoir. Bon, je me doute que s'il y a une voiture de drift à gagner, je pense qu'il y aura du drift. En plus, regardez les pièces qu'on a gagnées là, ce sont des pièces de drift. Donc là, je pense que ce summit va être axé un peu drift, donc on verra un peu ce que ça va être. Mais je pense que là aussi, ça va être assez sympathique.
Voilà. Bon, ok, pour ça on est bon, on s'échappe. Et de là, les potons, on est parti pour aller découvrir un peu toutes les nouveautés de la semaine. Alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut acheter. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Là on a un petit pneu blanc, voyons voir. Ok, donc ça donne ça. Je suis pas fan, mais allez, on l'achète. Voilà. Ok, pour ça c'est bon. Après là, on a un petit pack. Alors voyons voir un peu ce que ça donne. Donc là, ce que je ne possède pas, c'est le pneu et du coup le petit néon. Donc ouais. Allez, c'est pourquoi pas. Le néon me plaît bien, les pneus, ça va, ça passe, ça va. Ouais, allez, on valide. 36 000 cc et on achète les potes. Voilà, on achète. Après, qu'est-ce qu'on a là? Red Peak. Voyons voir celui-là. Alors là, ce que je ne possède pas, bah, c'est uniquement la vitre teintée. Bon, ok. Donc on va regarder quand même du côté des vanités si je peux pas l'avoir moins cher ou pas. Voilà, donc ça c'est le seul truc qui me reste à acheter. Alors 14 000 cc et là elle n'y est pas. Donc bah écoutez, je vais l'acheter comme ça. Allez, on achète le pack, 14 000. Ok. Pour ça c'est bon. Après là, du côté des vanités. On a ça, la fumée Blizzard. Alors c'est pas un truc que je kiffe réellement. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Voilà, ça fait ça. Ça fait genre un peu des glaçons ou... Voilà. De la glace qui sort, quoi. Je suis pas plus fan que ça, mais... Allez, soyons fous, les gars, je claque la thune aujourd'hui. Je claque énormément de thunes. Sauf que je vais vite déséquiper ça de ma magma, parce qu'elle ressemble plus à rien. Et après, on a un petit underglow. Alors, voyons voir. Voilà, ça donne ça aussi. Mais écoutez, j'achète aussi, hein. Voilà, allez, on achète. Voilà. On claque les potes. Oh, je suis passé sous la barre d'un million. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. Et là, on a le petit pneu Arctic. Oh les gars, cette vidéo, elle me revient très très cher. Hein. Allez, et pareil, on équipe, on achète. Voilà, bon bah écoutez les amis, j'ai tout acheté. J'ai vraiment, vraiment tout acheté. Donc ça m'a fait très très mal au portefeuille. Bon bah ok les amis, ok, super. Bon, je pense que je suis quasiment aux 100 000 cc dans cette vidéo. Donc 10 balles. Voilà, bon, bah merci les développeurs. Hein. Allez, ok, pour ça, on est bon les potos. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même vite fait déséquiper. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme voiture? Ouais, donc la petite Mitsubishi là, bien stylée. Et celle-là, voilà, celle que je ne possède toujours pas, les gars. Je ne l'ai toujours pas, celle-là. C'est la seule du jeu que je ne possède pas. La licorne, les gars. Peut-être, j'espère qu'un jour, les amis développeurs, vous me la remettrez, hein, que je puisse l'acheter quand même. Parce que c'est quand même bête de posséder toutes les voitures et qu'il en manque juste une. À l'époque, ouais, à l'époque, je ne l'ai pas prise, malheureusement. Bon, j'aurais dû. Vraiment, j'aurais dû, je regrette. Allez, du coup, on s'échappe de là. Alors voilà, ma magma, qui ne ressemble plus à rien. Je vais vite déséquiper ces pneus et ce néon, hein, parce que là, c'est pas ouf, hein, clairement. Alors, la magma customisée. Vanité. Voilà, donc comme vous voyez, je commence à avoir un gros, gros stock de pièces de vanité. Vraiment, j'en ai énormément. Là, en même temps que je vous parle, je suis en train de chercher s'il n'y aurait pas... ouais, ça peut être pas mal. S'il n'y aurait pas un petit pneu intéressant à mettre sur la magma, avec du orange, bien évidemment. Ouais, je commence vraiment à avoir beaucoup, beaucoup de choses. Alors là, ça donne quoi? Ouais, bof. Je veux du orange, les potes. Je veux du orange sur cette voiture. Qu'est-ce que j'avais déjà? Disons que je me rappelle même plus ce que j'avais. Et là, on est sur les pièces what the fuck. Bon, ça, c'est minable. Bon, il y a ça qui est pas mal. Alors, on peut valider ça, déjà. Bon, ok pour le pneu. Et du coup, maintenant, on va vite fait changer le petit néon. Alors, du coup, pour la petite fumée qu'on a gagnée dans ce summit, c'était celui-là, il me semble. Hein. Ou celle-là. Voilà. Et là, du coup, j'ai ça équipé. On va quand même sortir. On va aller la tester avant que je la déséquipe. Hein. Par contre, pour ce qui est du néon... là, je vais le déséquiper de suite et à la place, je vais mettre... Mais écoutez, pour la magma, on peut se mettre ça. Je pense que c'est pas trop trop mal. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va se laisser ça. Je trouve que ça fait assez stylé. Allez, on s'échappe de là. Bon, alors, du coup, les potes, regardez la glace que ça donne. Ah ouais, mais ça fait vraiment bleu, en fait. Parce que tout à l'heure, on voyait que ça faisait genre blanc. Et en fait, regardez, là, ça fait un peu bleu. Alors, je sais pas, peut-être c'est parce qu'on est dans la nuit. Bon, c'est pas un truc terrible, mais bon, ça c'est pareil, je vais l'enlever de la magma. Bon, ben voilà les amis, écoutez, j'ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Bon bah écoutez, j'ai tout acheté, hein. Toutes les vanités du jeu là de cette semaine, j'ai tout acheté. N'oubliez pas donc du coup pour vendredi Twitch, hein, le petit live sur GTA. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre Twitch et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Après, vous avez toujours le petit giveaway Instant Gaming qui est disponible. Je crois qu'il doit rester peut-être une vingtaine de jours, donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous pouvez gagner, les gars, le jeu de votre choix ou une carte PSN ou Xbox Live de la valeur dont vous voulez. Donc franchement, ça vaut le coup, c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, hein. Franchement, ça vous prend 2 minutes et vous pouvez gagner au moins 50 balles de cadeaux. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc pour ça, ok. Et après, voilà, si vous voulez acheter des jeux sur Instant Gaming ou quoi, vous avez mon petit lien affilié, vous pouvez acheter des jeux jusqu'à 90% moins cher, donc c'est très intéressant aussi. Voilà, pour ça, ok. Après, vous avez mon partenaire Burn Controller, vous avez 5% sur l'intégralité de leur site avec mon code promo Gaming06. Donc les amis, j'ai plus qu'à vous dire à ce soir pour le petit live summit. Voilà, je pense qu'on va bien rigoler, ou pas, hein, ou pas, surtout ou pas, je pense, étant donné les épreuves. Allez, sur ce, les amis, je vous dis à ce soir, bon game à tous. Et à plus les amis, à plus. Alors allez, on va se faire le petit burn gelé avec la Divo Magma. C'est un peu le comble, hein, quand même, pour la Divo Magma. Surtout avec les petits néons, genre un peu feu, là, je sais pas quoi, éclair. Ouais, c'est vraiment, ça fait spécial. Bon bah les amis, sur ce, je vous dis bon game à tous. Et à plus les amis, à plus. Allez, ciao.